alors voyons voir. Ok, c'est bon. Ok, les gars, on va pouvoir jouer à... Du coup, il y a eu un petit bug. Mais là, ça devrait le faire. Je suis désolée, ça a un peu bugué. Du coup, let's go, c'est parti pour tester Honkai Star Rail. Rails. Je sais pas comment on prononce ça. Jeu auquel j'ai jamais encore joué. Je ne sais absolument pas c'est quoi le scénario. Donc, on va vraiment découvrir ensemble. C'est par le même studio que Genshin Impact. Donc, vraiment, j'attends beaucoup de ce jeu. Mais je sais pas si ma connexion, elle va tenir. À voir. J'espère que ça va pas trop bugger. Le jeu, c'est Honkai Star Rail. Ok, donc là, on est dans un vaisseau. Je sais absolument pas c'est quoi le but du jeu. Est-ce que ça va être un peu dans le même type que Genshin Impact? Ok, donc il y a des sortes de créatures. Ok, donc il y a une meuf qui joue du violon. Pourquoi pas? Bon, pour l'instant, ça donne pas beaucoup d'infos, mais... La meuf, elle a l'air vraiment dans son délire. Oh. What the fuck? 23:47:15 system time, very punctual Kafka. Ok. Pour l'instant, je sais même pas de quoi on parle. Tu vas jouer à Genshin Impact aujourd'hui? Non, aujourd'hui on teste Honkai Star Rail parce que je voulais tester le jeu, donc aujourd'hui c'est ce jeu qu'on va live. Je sais pas si je vais apprécier le jeu parce que ça se passe dans l'espace. Je suis pas trop fan de base des jeux dans l'espace. Our last few operations turned out to be pretty dull. Sorry, I'm afraid there's not much I can do for you. J'espère qu'on va voir des paysages genre magnifiques, qu'on va pas rester dans un vaisseau. If you want to go look for some fun yourself, I won't stop you. I mean it. Ok. En fait, là, c'est surtout une animation qu'on a. After all, Elio didn't put it in the script. Why would it matter? D'accord. Ah bah on a déjà un combat. Ok. Donc là on nous apprend à combattre. Ah ok. Ouais, je comprends quand il disait c'est du tour à tour les combats. En vrai je sais pas si je vais être fan de ce jeu. Parce que je suis pas très fan en fait des jeux où c'est du tour à tour. Je trouve ça un peu chiant à la longue, tu vois, de devoir attendre que l'autre te lance des attaques. Mais bon. Ok. Je me balade juste un peu, juste pour voir. Bon, déjà, en fait, ça fonctionne, je dirais, un peu comme Genshin Impact. Portrait de Hertha. Qui est cette Hertha? Elle a au moins 100 ans. Est-ce que tu pourrais cosplay Monsieur Koro prochainement? Pas tout de suite, genre j'ai énormément de cosplay à faire, donc je sais pas quand est-ce que je ferai un cosplay de Koro-sensei. Et déjà si j'en fais un, c'est pas vraiment Koro-sensei, mais c'est version meuf, en mode humaine. Parce que c'est trop chiant à faire, enfin sinon j'arriverai pas, j'ai pas le niveau en cosplay pour pouvoir faire genre tout ce qui est tentacules, etc. Mais ça sera pas tout de suite, je pense que ça sera d'ici... Genre, je dirais un ou deux mois que je cosplayerai Koro-sensei. Ok. Bon, pour l'instant, je ne comprends pas trop ce que je suis censée faire.
En tout cas, le vaisseau, il a l'air gigantesque. Wow, il y a eu un bug là. What's up? Coucou. Bon, je sais pas pourquoi, mais je sens que le jeu va pas être trop mon délire. Ah, il y a un monstre. Ouais, bon, ça va être trop lourd, quoi. Genre, à chaque fois, se battre comme ça. J'aime pas ce genre de truc. Putain, devoir attendre. En fait, je trouve ça trop nul. Parce que tu vois, genre, dans Genshin Impact, en fait, tu laisses pas, genre, les monstres t'attaquer. C'est-à-dire, tu peux les contourner et tout. Alors que là, en fait, t'es obligé de te faire... de perdre des points de dégâts. Je trouve ça trop chiant. Mais bon, c'est pas grave. On va voir ce qui va se passer. Si on va voir un truc intéressant. Ah! Wesh. Il y en a un qui a essayé de m'attaquer dans le dos. Oh! Ce perso, il est stylé. Where did you send it, Silverwolf? Some random coordinates, not important. You care about where that Void Ranger ended up? Of course not. I'm just amazed at this fancy technique of yours, as usual. Just a little trick of tampering with the data of reality. What were you looking at so intently just now? Let me... Herta's Toys. A catalog featuring the space station's collection of rare items. They've got a lot... Like what? Ah, par contre, je viens de remarquer un truc. On a une UID... genre comme dans Genshin Impact en bas. Donc est-ce que ça veut dire qu'on peut aller dans d'autres mondes un peu comme dans Genshin Impact? So that's where the Stellaron is. That's where we can find out where the Stellaron is. Ok. Donc on peut jouer avec elle. Zakodak. The central area of the space station is up ahead. There will be lots of Legion. Bon, pour l'instant. Hop là, il y a encore un monstre. Allez, bam. Il va falloir encore une fois faire tour par tour. Ok. Aïe, ça fait mal. Eux aussi, du coup, ils ont des super attaques. En vrai, son attaque est stylée. Ok, d'accord. Pas l'air fou pour le moment. Ouais, en tout cas, pour l'instant, je trouve pas ça incroyable. Après, je pense que c'est parce que moi, je suis plus... j'aime quand même parce que j'aime bien l'animation. J'aime bien tout ce qui est genre comme ça avec des animations animées, etc. Mais c'est vrai que moi je suis plus monde fantasy comme par exemple Final Fantasy, même si genre Genshin Impact ou encore Ni no Kuni. C'est vrai que là ça me plaît moins dans l'espace. Mais je sais pas si après on va, je sais pas, peut-être pas, peut-être débarquer sur une planète. Oh. Mais c'est vrai que le fait que tu vois, tu dois faire du tour par tour, c'est trop chiant. Et c'est pas vraiment le type de jeu que j'ai. Enfin. En fait, moi je préfère les jeux où je peux esquiver comme je veux, tu vois, les personnages en fait. Enfin, les monstres. Et genre choisir qui je veux attaquer ou pas, tu vois, dans Genshin Impact, tu choisis. Mais bon, je vais quand même continuer un peu parce que les gens disent qu'il est bien, donc on va creuser un peu plus et on va voir. Coucou Cam, bah ça va super. Alors, ce handcake, comment c'est? Bah pour l'instant, je trouve pas ça ouf.
Mais c'est peut-être pas le type de jeu que je préfère, moi, les jeux à tour, donc je sais pas. Mais pour l'instant, on va regarder, hein. Merci, c'est gentil, Calico. Si j'aime pas, hein, je pense que je désactiverai le jeu et je continue. De toute manière, je pense que moi, le jeu que j'ai préféré jouer, c'est Genshin Impact. Mais bon, c'était juste pour essayer. Mais je pense qu'on va rester sur Genshin Impact, nous. Au moins, on aura testé. Moi, je préfère tester les jeux avant de dire que j'aime pas. Donc, voyons voir. Est-ce que là, il va se passer quelque chose? En fait, j'ai envie de voir si, du coup, on va dans un monde fantastique ou pas. Enfin, si, genre, comme on est dans l'espace, on va aller sur une planète. Where's the Stellaron? Elio's script doesn't include any info about the location of the Stellaron, which means in the future he foresees... We would find the Stellaron in a non-physical way. This space station is packed with extraordinary objects. Hiding something extraordinary with something extraordinary. This is pretty Herta. Hello Alka, merci de me suivre. Bah, ce genre de jeu, il faut un moment pour avoir la liberté de jouer. Je me rappelle que Genshin Impact au départ me faisait pareil, mais passé un cap, j'ai changé d'avis. Ouais, c'est vrai aussi. Mais après, j'avais l'impression que dès le début, déjà dans Genshin Impact, on avait plus de... Comment dire? Genre, on pouvait déjà plus... comment dire? J'ai l'impression de liberté. Ok, et là faut faire le deuxième. I can see the whole space station on the surveillance screen. Even if you could, it'd be a trap. Herta doesn't display her. Make your way over here then. There's no point in trying to search like this. So, got a master plan? I'm all ears. It's a matter of hacking the surveillance system directly. Pour l'instant, je m'ennuie. Collections aren't in the system, so anything unaffected should be our target. Ok. Ah. Oh, il y a des trucs qui s'affichent sur les écrans. Je crois qu'on est en train de se faire hacker. Simple, crude, but effective. Ah non, c'est elle qui a provoqué ça. Ok, d'accord. Maintenant, faut aller devant le truc. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, moi j'ai juste une chose, j'ai envie qu'on scratch, genre quelque part, pour sortir du vaisseau. So, Herta hides her collection with something as simple as this. The simplest method is the hardest to spot. What the fuck? Qu'est-ce qui se passe là? Pour l'instant, je sais pas vous, mais je comprends rien à l'histoire. Tu vois, encore la meuf, elle va faire que comparer à Genshin Impact. T'arrives dans Genshin Impact, tu comprends que genre tu te bats contre une sorcière et que ton frère et toi vous êtes séparés. Là, je comprends absolument pas ce que je dois faire. Alors, elle a dit quelque chose d'étrange se produira en touchant l'écran. Ah, attendez, que va-t-il se passer? Ok. Du coup, là, je ne sais pas où on est. On va faire le point de contrôleur. Tout ça me paraît tellement étrange. Parce que t'es encore dans le tuto. Ouais, bah du coup, on va attendre, hein, on va être patient. Genius Herta can't compete with me when it comes to hacking. Good. Then I'll also count on you. On va attendre, peut-être que ça va devenir intéressant. Par contre, j'espère que le tuto va pas durer genre une heure parce que moi sinon je vais pas réussir à tenir. Oh, que va-t-il se passer? Ok, donc là on a un réceptacle. Oh tiens, c'est qui eux? Ah, là on peut choisir ce qu'on veut comme personnage.
Ok, alors attendez, lui c'est quoi? Ok, donc on doit choisir entre deux personnages. Elle, elle est comment? Ok, alors qui je choisis? Est-ce que je choisis la meuf ou le gars? J'ai envie de choisir la meuf parce que je la trouve stylée. C'est l'équivalent du voyageur de Genshin Impact. Ouais, c'est ça. Genre, à votre avis, on choisit quoi? Genre, on choisit la meuf ou le mec? Parce qu'en fait, la dernière fois, quand j'ai joué, bah, par exemple, à Genshin Impact, j'étais trop deg d'avoir pris la meuf et finalement, j'aurais dû prendre le mec. Mais là, je sais pas. En fait, là, je sais pas. Je suis un peu perdue. Je ne sais pas si je prends la meuf ou le gars. Le suspense est à son comble. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui je prends. Parce que du coup... Je sais pas si du coup ils ont des particularités différentes ou juste seul skin. Moi j'ai pris Stelle. Bah vas-y, je vais prendre Stelle aussi. Hop là. Faut lui trouver un nom. Et bah on va l'appeler Artemis. Hop là. Ok. Valider la modification. Bah appuyer. Oh, faut faire une autre notification. Ok. Donc en gros on est en train de nous créer, on est une sorte d'avatar. Là ça devient un peu intéressant. Ah, regardez. Elle se souviendra de toi. Oh, attendez, on est en train de nous insérer un truc là. Donc c'est comme ça qu'on est né. vas-y, on va lui dire. Où suis-je? À bord d'une station spatiale. Spatiale. Oh, j'arrive plus à parler. You are in a daze right now. You don't know who you are, why you're here, or what you're going to do next. None of that matters. All you need to know is that I'm leaving. Donc la meuf là va partir et va rester plus que moi sur la station spatiale. Ah non, ils vont pas nous laisser ici quand même. Ah non, je trouvais ça trop naze si on doit rester dans une station spatiale. Apparemment, on va vivre des choses incroyables, dit-elle. C'est ton avenir tel qu'Elio l'a prévu. Mais c'est qui Elio? Moi, je veux savoir qui est. Non, ce n'est pas ce que je veux. Is also a lovely answer. So, Elio can force use that will of yours to reach the. Utilise ta volonté pour arriver au bout de ton histoire. Ok, ok, mais du coup là ils sont en train de nous dire qu'ils vont nous laisser seuls dans une station spatiale. On va se faire chier nous. I know, Silver Wolf. Just give me another minute. I must leave now. Don't worry, someone will come and find you very soon. Adieu. Ok, donc là, nous laisse, tranquille. Bah, au revoir. Adieu. Ça change la façon de faire des enfants dans cet univers. Grave. Là, on a été... Ah, t'as un mec qui nous parle, là. Mais qui est en train de parler? Est-ce que c'est des gens sympathiques? On va ouvrir les yeux. Oh! Regardez! Il y a un beau gosse qui nous parle! Sa bouche était si près de la mienne. Ok, donc c'est qui ces personnages? Je me souviens de rien. Bah, je m'appelle Artemis. Nice to meet you. My name's Don Hung. And this ok, is déjà j'aime beaucoup leur skin. This space station was just attacked by the Antimatter Legion. We came to help with the rescue. La chercheuse en chef Asta. A petite cutie with pink hair. Madame Herta appointed her to be the acting lead researcher. That girl really needs to step up. I can't believe her own employee doesn't. Où dois-je aller? Back to the master control zone. Asta needs. Plus, that's where we parked the Astral Express. Don't you worry.
Bah allons-y. Je vais même pas demander c'est quoi l'Astra Express, je pense que c'est un train. Hein. MDR, ce n'est pas un personnage d'animé, Kalmos. Ce n'est pas un personnage d'animé. J'aime bien, la meuf elle s'appelle Marsh. Ok. Bon, apparemment ils ont dit qu'ils allaient me protéger des monstres. Prendre quoi ? Ouais, génial, on va devoir se battre alors qu'on n'a rien demandé. Je vous permets de consulter les détails. Ok. Ok. Chaque personnage possède son propre type. Artemis est un personnage de type physique. Chaque personnage suit une voix spécifique. Artemis suit par exemple la voix de la destruction. Comment ça, la voix de la destruction ? Et Marche, attends, c'est quoi ? Ok. Elle, c'est la préservation. Ok, d'accord. Et du coup, là, normalement, ils m'ont dit de prendre... attends, c'est... Ok, alors attends, c'est où la batte de baseball qu'elle a dit là ? Je la vois pas, la batte de baseball, c'est quoi ça ? Ah, c'est un truc pour récupérer des points, ok, d'accord. C'est un peu les sortes de statues de 7, je dirais, dans Genshin Impact. Par contre, je vois plus la batte de baseball. Je crois qu'on m'a dit de prendre un truc au cas où je me ferais attaquer, mais... Frère, elle est où ta batte de baseball ? Ah ok, bah je l'ai déjà. Je pensais qu'il fallait que je la récupère par terre. Ok, donc on va aller par là. Est-ce qu'on va tomber sur des gens sympathiques ? Oh. On va devoir s'attaquer alors que... Moi je veux pas, je suis pacifique ! Ok, putain ils sont trois ! Et bah ok, d'accord. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Aïe, j'ai mal. Aïe, j'ai mal. Ok. Bon, je suis pas très forte. Allez, hop là, il me... Aïe, ça fait mal. Et t'as l'autre là. Il va me lancer. Ah non, ah si. Allez, bam, prends-toi ça dans ta gueule. Elle est pas très puissante. Par contre, je vais utiliser lui. Aïe! Ok. Par contre, t'as l'autre qui a disparu ou il est mort? J'ai pas compris. Allez, bam! Bon, bah, on a fini le combat. C'est quoi comme jeu ? C'est Honkai Star Rail. L'ultime du perso est pépite en termes d'animation, je trouve. Ouais, ça, en vrai, ça va. Ok, donc on va par là maintenant. Là, par contre, attendez, attends. Pour se redonner de la vie, c'était là-bas, je crois. Merde, j'ai aucun sens de l'orientation. C'est pas où que je viens. Bon, c'est pas grave, on va revenir par là parce que je m'esquine, je sais plus où je suis. Que va-t-il se passer maintenant ? Un vaisseau qui a crash. On va utiliser l'ascenseur, ok. Non, je travaille pas ici, je pense que ça se voit ma gueule. Ok, bon, on va go jusqu'à la zone de sécurité. Donc pour y aller, faut faire quoi ? Ah, il y a des coffres aussi là ! Ok, d'accord, sympathique. Et du coup, là, il y a un monstre. Oh, mais tiens ! Allez, bam. Du coup, ah, et là aussi, il y a des éléments.
Ok, bon bah du coup c'est parti, on va l'attaquer. Écoute-moi bien. Ah putain, ils sont 4. Ah mais je vais crever là. Ok. Ok. Par contre, j'ai quasiment plus de vie. J'aurais peut-être dû me redonner de la vie. Oh! Wow, par contre, ça, c'est puissant. Vous avez vu son attaque, là? Comment là? Oh, mais regardez-moi ça. Comment c'est... Par contre, c'est stylé, les attaques, quand elles sont lancées. Allez, bam. Oh, regardez-moi cette puissance. Ah oui, le sprint, il est infini. Trop bien. Stylé. Un jeu de... Comment ça, un jeu de rôle? Oh, et là, on reprend de la vie. Ok, donc ça, j'ai compris, c'est des sortes de statues de 7. Ok, d'accord. Je comprends un peu, un peu. Ok, et là... Qu'est-ce qui se passe? Ça a marché? Oh. Ah putain, le mec il est là, il a paru de nulle part. I took another route to the upper level, and I saw you guys from up there. Arlan is in the control room. He's been injured. You found him. Will he know what to do about? I suppose as the head of the security. Then let's go talk to him. Eh ben, let's go, on va aller parler au mec. Oh oui, on a un nouveau personnage. Allez, bam. Du coup, on va l'ajouter lui. Et on peut aller jusqu'à 4 aussi. Ok. Quoique, attends, on peut aller à plus? Non, je sais plus. Non, c'est des équipes de 4. Ah, ok. Ouais, bah comme dans Genshin Impact, ok, on peut les faire augmenter. Ok, d'accord. Du coup, faut aller... Par là, je suppose. Il y a un autre monstre. Va falloir qu'on détruise le monstre qui est là. Oui, je sais ce que c'est, un jeu de rôle. Ok. Bon, on va tester les attaques sur lui. Oh. Oh, là on va se faire déglinguer. Aïe. Allez, bam, toi tu vas mourir. Ah, par contre, mon perso là il va crever. Ok, lui il est mort. Ok, lui hop. Par contre, ah, mon perso il est mort là. C'était sûr, mais c'était évident qu'il allait se faire victimiser. Hop là, là on va utiliser notre super attaque. Par contre son attaque elle, elle a l'air puissante hein. En vrai j'aime beaucoup trop son attaque. Ok, et lui il lui reste... Bah c'est bof, il est mort. C'est un retrait stratégique de ton perso. Non là je suis pas en train de jouer sur PC. Je joue là sur... Là j'ai joué sur téléphone.
Ok, donc on va aller voir le monsieur. Ou la meuf. Je sais pas. Did Madame Herta send you? It's just a coincidence. We came to deliver the rare relic Herta trusted us to find. Why is the antimatter legion turning on you guys? It seems they just ignored the surface of the planet and came straight. I have no idea. The legion lady, lead researcher Asta, immediately began. Don't be too hard on yourself. Your leg and dominant hand were injured. Yeah, most of the staff have been evacuated safely. So right now, our highest priority is to return to the master control zone and plan a counterattack. Okay, c'est bon. After the evacuation was complete, the elevators were all shut down to keep the Legion away from. Since Lady Asta sent you to look for me, I assume she must. Oh right, she did. Ah, ça sert à ça la carte. But where did I? Non, sérieux, elle a perdu la carte. Here it is. Ah non, c'est bon, elle a. Donc en fait, on aurait. Ok. Donc en fait, il faut activer à partir de là. Ok. Voyons voir. Est-ce que, à votre avis, on va débarquer sur une planète? And you should be able to shut down the elevator. Agreed. She and I made it here safely. And now we've also got. Let us worry about the antimatter legion. You just. Thank you. Ok. Ok. Ok, d'accord. Bon. Faut aller par là. Ok, et du coup, faut passer par ici. Oh, il y a un monstre. J'ai la flemme de me battre. Vous savez ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ignorer. On va littéralement l'ignorer. Allez, hop là. The repulsion bridge has been shut down? Oh. Yes. Shit. Ah, c'est bon. Pas besoin d'éliminer le monstre. Par contre, là, j'ai vu un autre monstre. Ah, là, il y a un coffre. Ok, d'accord. Il faut aller là-bas. Ah, il y a encore un monstre. Non, j'ai pas envie de me battre. Je suis pacifique, ma gueule. J'ai trop la flemme de faire 10 000 combats, là. Ah, c'est bon, on est au truc. Salut, Clara, t'as passé une bonne journée? Bah, super, et toi, Hadès? Espérons que oui, sinon le vaisseau devra être plus qu'énorme. Bah, là, j'ai commencé le live il y a 33 minutes. Very potent enhancement items. I heard the corporation paid a lot for the usage rights. Okay. That's all I can say. Okay, donc on va récupérer ça. Augmente les stats des personnages, confère des capacités spéciales si porteur est de la même voix que la cône de lumière. Okay. D'accord. Est-ce que je peux mettre niveau supérieur? Non. Revoyons ici. Ok, donc je vois à peu près tout ce qu'il y a. Il faut aller là. Let's go! Ok, ça s'est activé. Non, ça va. On y est rapidement. Par contre, là, je. Oh. C'était sûr qu'il allait voir un monstre là qui allait essayer de nous dégommer. C'était évident. Bah. T'es ma comment il est apparu.
plus vite que mon avenir. C'est quoi cette chose? C'est un scorpion? C'est un cheval? Quelle est cette bête? C'est une sorte de minotaure? Bonsoir Clara, bonne soirée gaming, merci, c'est gentil. Ok, bah, oh! Wesh! Regardez comment il m'attaque. Mais attendez, il nous laisse... Ok, d'accord. Ok. Aïe, ça fait mal. Ok, on va faire notre super attaque. T'es marrant, regardez comment on les regarde. Oh putain, ça fait pas beaucoup, hein. Je sais pas si ça va faire grand chose, hein. Aïe, aïe, ça fait mal. En fait, faut que j'essaye d'abord de vaincre lui. Ah, bordel. Je sais pas si je vais réussir. Pour l'instant, je sais pas forcément comment bien jouer. Oh, bordel. Par contre, il fait très mal. Faut vraiment que je l'élimine. Oh, bordel. Non, vraiment, faut qu'on arrive à le buter. Ok. Let's go, c'est parti. Cette attaque, elle est bien. Putain, ça leur fait pas énormément de choses, hein. On va se faire dégommer, hein. Oh! Putain, les personnages, ils ont quasiment plus de vie, mais on va mourir. Oh! Mais je vais crever, en fait. Foutu, hein. Je sais pas si je vais réussir. Par contre, l'attaque est grave stylée. Ok, alors j'ai réussi à faire plein de dégâts. Ok, ok, ok. Il y a peut-être moyen, mais c'est pas sûr. Ah putain, j'ai presque réussi à le buter. Oh bordel. Ah, mon perso il est mort. Miskin. Allez, bam. Lui il est mort. Attendez, quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Attends, pourquoi ça s'est arrêté? Oh, du coup là t'as... J'ai pas tout compris. Ok. MDR, t'as fini la démo? Mais attendez. Du coup, là, il va se passer quoi? Il se passe rien. Ah non, t'as un... Oh, bordel. Mais il est long, le téléchargement des ressources. Bon, bah, les gars, je pense qu'on va arrêter de jouer à ça ici pour aujourd'hui. Du coup, va falloir que je fasse... Genre, une mise à jour. Ah ouais, elle va durer longtemps. Ok, pour pouvoir continuer à jouer au jeu, va falloir que je fasse la mise à jour et ça va durer longtemps. Bon, c'est pas grave. Je pense que je ferai la mise à jour cette nuit pendant que je dors. Et on va arrêter... Non, c'était une mise à jour en plein combat, du coup ça t'a kick game. Non, sérieux? Oh non, ils abusent. Ça veut dire que du coup, ce que j'ai fait, genre, il n'y a pas de sauvegarde. Qu'est-ce qui se passe, Kama, du coup? Genre, pour moi, c'est-à-dire que je vais devoir tout reprendre du début. Ah vraiment, ils sont relous, hein. Bon, je pense que du coup, je vais arrêter le live ici, je vais aller live TikTok, mais...
Du coup, là, on vient de me niquer mon jeu, c'est ça? Pas de ton combat en cours. Ah. Enfin, bref. Bon, du coup, les gars, merci d'avoir regardé ce live Twitch. Et du coup...